Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Tout le monde qui vient pour bénir là, après-midi à lever main, bah, bon Dieu gloire, dit béni soit l'Éternel. Everybody stand up and lift up your hand and say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen, but ensemble. I want to see the 12 people. And I appreciate also Bishop Fleurio. And amen, who really love me. When I said he love me, anytime. I don't want my members to be jealous because I know they did what they can. But Bishop Fleurio, anytime when I meet him, and I'm sure tonight he's going to do that too after the service. He's always said, Pastor, I have something for you. He write a check, sometimes $50, sometimes $100. It depends. But he always said, you are a man I love. And if I'm here today, it's because of you. So I have to bless you. So I'm sure after the service, I'm going to be blessed. Okay, let's go to the word. And last week, I heard a preacher saying, and after doing everything, singing, praising, worship, offering, all these things, and he had been a guest speaker, and the pastor come to him and said, well, Pastor, 30 minutes. And while they've been doing the offering, he said, Pastor, 20 minutes. And while the praise dance being danced, and he said, Pastor, 10 minutes. So thank God I don't receive any one of these, no 10 minutes, no 20 minutes, no 50 minutes, so I have that much time I want. Let everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And nous avons déjà fait la lecture de la parole de Dieu. I'm asking someone at least to sit in nearby Bishop Dan to translate for him, because even if I'm going French, English, Creole somehow, but I want him to understand what I'm saying. Someone sitting nearby and to translate for him. And the word of God we find on 1 Timothy chapter 3, 8 to 13, and also Exodus chapter 18, verse 19 to 24. But I'm going to read for you in verse 8 to 13, on 1 Timothy chapter 3. En français. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Likewise, deacons must be reverent, not double tongues, not giving too much wine, not greedy for money, holding the mystery of the faith with a pure conscience. But let this also first be tested. Then let them serve as deacons, being found blameless. Likewise, the wife must be reverent, not slanderous, temperate, faithful in all things.
Let deacon be the husband of one wife, ruling the children and the own household. For those who have served well as deacon obtain for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus Christ. And ce service de consécration est très, très, très important. À la lumière de la parole de Dieu, dans ses lectures, Exode 18, 19 et 24, et aussi 1 Timothée, chapitre 1er, versets 8 et 13, et aussi l'institution des diacres, dans Actes des Apôtres, en chapitre 6, nous pouvons dire, c'est une consécration solennelle. Quand nous disons consécration solennelle, c'est parce que l'assistant du Père, du Fils et du Saint-Esprit présent, et maintenant nous considérons cela comme une consécration solennelle. Premièrement, on pensait et on disait que des personnes qui sont devenues diacres et diaconesses, eh bien, ils ont la suprématie dans l'Église. C'est que vous avez la façon de diriger, la façon de faire. Maintenant, la chose la plus importante, c'est parce que immédiatement que vous devenez un diacre ou bien une diaconesse, ce qui veut dire vous avez la responsabilité domestique de l'Église. Nous disons que vous avez la responsabilité domestique de l'Église. Et cette responsabilité vous aide à comprendre comment assumer la responsabilité en tant que chrétien. Premièrement, votre responsabilité personnelle. Et deuxièmement, la responsabilité pour faire marcher les départements de l'Église, à ce que l'Église soit bien structurée. Et en retour, quand des personnes nous visitent, des étrangers nous visitent, voyant votre dévouement, la façon que vous voulez servir, la façon que vous vous adaptez, et au service, et bien par conséquent, des personnes peuvent dire, si je devrais choisir une église, je pense à choisir l'église de Dieu de Norwood. Raison pour laquelle vos dévouements vont les attirer à comprendre ce qu'il faut faire. Mais le cas de l'institution des diacres a été ainsi institué pour cela, quand il y avait des murmures parmi les premiers chrétiens. Et ces chrétiens-là qui murmuraient dans la distribution de la nourriture, et en murmurant étant, les apôtres se réunissent ensemble, l'apôtre Paul spécialement a mis en face pour dire, il n'est pas bon pour que nous nous évacuions, n'est-ce pas vrai, dans les besoins domestiques de l'Église. Mais ce serait mieux pour nous de choisir des personnes. Et le choix a été fait en disant, choisis parmi nous sept hommes qui soient remplis de l'Esprit Saint. Sept hommes qui soient remplis de l'Esprit Saint. Et maintenant, et que nous pouvons continuer à évacuer dans la prière et dans la consécration pour apporter le message de la parole de Dieu. C'est ainsi de ces versets. I'm going to speak with you. First of all, you are chosen by God Himself. You are chosen by God Himself. Secondly, you are chosen by Jesus Christ. Thirdly, you are chosen by the Holy Spirit of God. Fourth, you are counted faithful, counted trustworthy by Christ. Fifth, you have been called to be a minister. You have been called to be a servant of God. By the gift of God's grace. Six, you have been called to be a steward, a servant of God. Seven, and last, you have been called to be a faithful servant in the church. When we call upon the seven in our point, we just want to encourage everyone. Que l'on veuille ou non, c'est un bel service de consécration qui fait assurer. Vous ne m'avez pas dit Amen, m'a dit le beau contre moi.
C'est un bel service de consécration qui fait à soeur. Et service ça fait tout le monde qui assiste et qui comprend qu'on va gagner sérieux dans l'évangile. Si vous ne dites pas amen, vous ne pouvez pas me pour finir, non? Vous ne pouvez pas me pour finir, si vous ne dites pas amen, vous finir n'importe là. Amen. Nous disons que service de consécration ça, l'aide tout le monde à comprendre qu'on va gagner sérieux dans l'évangile. Jack, diaconès, ce n'est pas même minime que le gagnant, parce que chaque définition, yo Jack et diaconès, avec Jack ou Jack et machine. Ce n'est pas même définition. La machine pour un panne caoutchouc, il y a les appareils pour lever panne, il y a Jack et machine. Et nous jouons dans les églises, il y a des diacres et diacones qui consacrent même Jadankou, qui servent avec diacres et diacres et machines. De telle sorte, il dit pasteur, telle manière, pasteur dit non, ça ne va pas faire comme ça, il y a diacres et pasteur, et puis pendant que diacres et pasteur, il y a retiré diacres dans la machine, et puis pour pasteur à tomber. Consécration qui fait pour assurer ou pas qu'à diacres pour représenter diacres machine. Ma prédit ça encore. Consécration qui fait pour assurer. Les belles phrases que pasteur a prononcées pour vous-même, vous n'êtes pas capable de vous représenter comme Jack Machine, vous fâchez avec pasteur, avec l'instruction qu'il passait, avec l'instruction qu'il passait, vous mécontent, et vous dites, moi, je ne vais pas ça, et vous faites complot, vous faites monde à révolter Jack, et pas position ça. Vous ne connaissez pas bien amen, parce que. Moi, je dis, Jack, ce n'est pas position ça. Ou là, pour supporter pasteur dans les bons temps, dans les mauvais temps. Dans les bonnes décisions et les mauvaises décisions. Quand je dis les bonnes et les mauvaises, il advient des temps, c'est pas toute bagarre qui passe à les frères, ou à comprendre. Mais ça qui est important, nous joignons, nous avons été présentés à l'Assemblée pour dire qu'il n'est pas bon pour nous évacuer, nous, n'est-ce pas, de la distribution des pains. Et nous dit toute assemblée a été d'accord. Et si nous pas d'accord pour nous faire participer dans la distribution, et qui ça nous voulait faire? Il dit, n'a pas sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage. C'est bien de votre témoignage à l'église de Dieu de Norwood. Parce que il m'a fait que ça dit, votre témoignage pas seulement dépend à l'église de Dieu de Norwood, dans le village de Norwood, mais votre témoignage doit être un peu partout. Amen. Ou pas qu'on témoigne dans l'église là, et pour qu'on l'autre témoignage dans le travail là. Même témoin qui est dans l'église là, il ressemble à un petit mouton, c'est pour même mouton en tout dans le travail. Ce qui veut dire, l'apôtre déclaré et avec l'assemblée, oui, maintenant, il est nécessaire pour nous évacuer nous dans la prière. Et cet homme de qui l'on rend un bon témoignage. Et deuxièmement, pas seulement un bon témoignage, mais plein d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint veut dire. Pour une attitude, une qualité impeccable, une qualité permanente en tant que croyant et maintenant qui vous bâille fruit de l'expérience qu'on fait de la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est cela qu'on appelle plein d'Esprit Saint. Pas seulement plein d'Esprit Saint, premièrement, deuxièmement, rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, on est capable de dire qu'on pléonasme, plein d'Esprit Saint, rempli du Saint-Esprit. Non, rempli du Saint-Esprit, premièrement, c'est pour capable parler, amen, de la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, en tant que chrétien, si spécialement, si vous faites partie de l'assemblée de Pentecôtis, de l'assemblée de l'Église de Dieu, il est absolument nécessaire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Thoré qui déclarait, les conditions pour amener des âmes à Christ sont, premièrement, vous devez passer par une réelle conversion. Deuxièmement, vous devez avoir la soif de sauver les âmes perdues. Et troisièmement, vous devez, amen, connaître votre Bible à fond. Et quatrièmement, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire, vous allez passer des temps dans la prière. Vous allez passer des temps dans le jeûne. Vous allez passer des temps de la consécration. À
Amen. Des temps de jeûne, des temps de consécration pour recevoir le baptême du Saint-Esprit qui doit être guide personnel et maintenant qui vous donne la puissance, le revêtement de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand il adviendrait des circonstances, il adviendrait des malades, ainsi il adviendrait des difficultés. Et par conséquent, vous allez vous joindre avec le pasteur dans la prière, dans le jeûne, afin que la puissance du Saint-Esprit puisse être manifestée pour la guérison, pour la victoire et pour les délivrances. La seule façon que nous puissions avoir les délivrances et les miracles dans les églises, il faut que les diacres, les diaconesses, les membres de l'église soient baptisés du Saint-Esprit. Des hommes remplis de l'Esprit Saint, des hommes pleins d'esprit, des hommes pour parler et prier, et des hommes pour choisir des occasions particulières en vue de faire parler des impulsions du Saint-Esprit et faire connaître que le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, pas comme certaines religions disent, son vent, eh bien son bagaille, le Saint-Esprit est une personne. Quand nous disons, nous autres, comme chrétiens, nous croyons en un seul Dieu unique, mais en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est-à-dire chacun d'eux, le travail en particulier, mais cependant, ils ont réuni ensemble pour être capable de faire le travail. Là, on dit Dieu le Père, ou est Fils, ou est Saint-Esprit. Là, on dit Jésus-Christ, ou est Père, ou est Saint-Esprit. Là, on dit Saint-Esprit, ou est Père, ou est Jésus-Christ. Ça veut dire, maintenant, vous allez vous accorder avec votre pasteur, vous allez vous accorder avec les membres de l'église, vous allez vous accorder avec le corps diaconat, maintenant, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, parce que vous êtes des hommes pleins d'esprit, vous êtes des femmes pleins d'esprit. Or, puisque vous avez la puissance du Saint-Esprit, et maintenant, vous êtes plein d'esprit, vous allez faire éclater la puissance du Saint-Esprit de la zone de Nahoud, pas seulement de la zone de Nahoud, mais puisque vous connaissez la Bible, vous connaissez la parole de Dieu, en quelque lieu que vous y soyez, vous devez être prêt à prier, prêt à prêcher, prêt à présenter l'Évangile. En choisissant cet homme rempli de l'Esprit Saint, la parole de Dieu nous dit que Étienne était distingué. Soyez des diacres distingués. Soyez des diaconesses distingués. Et maintenant, si vous êtes distingués, et maintenant, on vous fera confiance pour que vous puissiez porter et présenter la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage cet après-midi à savoir, nous vivons dans un temps terrible. Le moment est pénible. Spécialement, nous constatons ce qui se passe dans le monde entier. Nous avons pu voir à Ukraine comment la Russie a envahi l'Ukraine. Et maintenant, notre propre pays, Haïti, notre propre pays, Haïti, d'ailleurs, tout le monde qui connaît le pays de Haïti, dit Amen. Amen. Et tout le monde qui est haïtien, d'ailleurs, maintenant, dans l'autre Amen. Notre propre pays, ça qu'a fait dans le pays nous, hein? Bon Dieu pas content. Moi dis ça qu'a fait dans le pays noir, bon Dieu pas content. Et puisque bon Dieu pas content, d'après Romains chapitre 1er, bon Dieu quitte nous à notre sens réprouvé. Nous fait bagaille qui mal. Ainsi sens réprouvé. Mais cependant, lorsque nous constatons les diacres qui étaient choisis, ils ont déclaré la vérité. Vérité a tué Étienne. Et la vérité a tué Étienne. La parole de Dieu nous dit, avant la mort d'Étienne, d'Étienne, ouais, Jésus qui campait. Alléluia. Jésus qui campait. Après, dit ça encore, ça, c'est un dé, amen. Moi, dit Jésus qui campait. La pétère cédée. Diaconesse consacré après-midi à vous son intercesseur. Pour intercéder pour l'église de Dieu de Norwood. Pour intercéder, comme pasteur l'a dit, c'est pas seulement Norwood, mais dans quelques lieux que vous passez. Pour intercéder pour Haïti, qui n'a été qu'il y a.
prend poste comme si m'ta dou même pas dans pays a moun mwen gen yo ya dégagé yo etc. Ou c'est un intercesseur comme diacre, ou c'est un intercesseur comme diaconesse, ou c'est un intercesseur comme évangéliste. Et alors pour qui raison condition yo qui ba yo, c'est qui veut dire ou prend position comme chrétien, ou prend position pour un témoignage, ou prend position pour déclarer en tant que diacre, en tant que diaconesse, en tant qu'évangéliste, en tant que membre de l'église, pour déclarer d'après Luc chapitre 10 verset 19, pour mon Dieu, pouvoir et autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous dormons trop sous canage. Nous dormons trop sous tuyadio. Nous dormons trop, faut que des intercesseurs. Esaïe ton intercesseur. Jérémie ton intercesseur. Daniel ton intercesseur. Et au compte ça fait que moi dit consécration ça son consécration spéciale. Les Daniel entravé. Daniel relie ses trois amis. Lorsqu'on intercesseur contre qui moun pour relie. Amen. Nous comptons près de 15 personnes, 3 anciennes diaconesses et 15 nouveaux diacres et diaconesses. Ce qui veut dire, dans tout groupement moun sa yo, les pasteurs entravés, il faut que moun pour le relais, pour dire, il y a tel sœur dans l'église, il y a tel frère dans l'église, qui entravé, qui malade. Amen. Ce qui est témoignage de yon nan frère nou yo la, qui déclarait qu'il est malade l'hôpital, mais quand même, il a préparé un certificat pour lui-même. C'est ça nous besoin dans mi-temps. Amen. Pour que bon Dieu opère miracle et pour tout le monde dit ça, c'est la main de Dieu. Tous les canages parmi nous. Et c'est pour cette raison, dans le passage que nous lisons, il déclaré pour dire que diacre là. Amen. C'est pour le prendre position comme diacre. Pour éprouver. Pour être capable d'exercer le ministère. C'est pour diacre là honnête. C'est pour diacre là éloigné de la duplicité, verset 8. Des excès du vin, des gains sordides. Amen. Ou pas acheter don bon Dieu. C'est un plus grand problème que l'église a confronté aujourd'hui à des diacres, des diaconesses que bon Dieu bénit. Le don, c'est le don de Dieu. Et qu'on y a immédiatement fait consacré comme diacre, comme diaconesse, qu'on y a fait petit bouc en pao. Ou a fait petit groupe pao, petit jeune pao. Et puis qu'on y a tout le monde commencé à dire, ou pas non jeune autant. Hein? Ou pas non jeune Noël là. Si vous avez besoin bon la prière, c'est dans jeune autant ou dans jeune Noël là. Amen. Pas qu'un bagaille comme ça, parce que don bon Dieu baille là, c'est don bon Dieu qui est lié. Si bon Dieu bon don de prière, c'est don bon Dieu baou pour servir, comme serviteur. Si bon Dieu bon don de guérison, c'est don le baou pour capable servir. Amen. Et là, on va gagner don ça, l'église va grandir. L'église va connaître puissance bon Dieu. L'église va connaître premièrement pour en charge de leur responsabilité. Et l'église va reconnaître que, ou recevoir un don pour perfectionnement de l'église. Et c'est pas seulement comme diacre et diaconesse, mais, parce qu'il a demandé pour me parler diacre et évangéliste. L'on prend condition évangéliste comme chrétien. Je dis autant d'évangélistes à droite, évangélistes à gauche. C'est bagarre extraordinaire. Ouais, excusez m'expression ça après, ça m'a rentré et puis on va retirer le tout. En pile évangéliste que nous joignons, il a dans diacre là, il dit gain sordide. Gain sordide. Dans verset 8 là, bon lire pour en anglais, gain sordide. Mon cap interpréter. Il dit not giving too much wine, not greedy for money. Gain sordide. Greedy for money. I'm going to preach somewhere. I know I'm going to make some money. They call me as a great evangelist. Brethren, Bon Dieu parle nous pour un grand évangéliste pour qu'il soit. Bon Dieu parle pour prêcher l'évangile. Pour nous sauver. Pour nous passer du ténèbre à la merveilleuse lumière. Nous understand that. That doesn't mean they cannot take care of you. Yes, they have to take care of you. But when you have in your mind, I'm going to gain something, it's wrong. Amen. Alors, qui est-ce que l'évangéliste là?
Un évangéliste est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Un prédicateur de l'évangile ou missionnaire. Une personne qui a le don d'évangélisation va de lieu en lieu pour annoncer l'évangile et appeler les hommes à la repentance. Amen. Les auteurs humains des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont parfois appelés évangélistes parce qu'ils racontent la bonne nouvelle du ministère de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Évangéliste, c'est bonne nouvelle. Jacques connaît cela, il a annoncé bonne nouvelle parce que l'apôtre Paul fait une recommandation. C'est pour la première fois le mot évangéliste est cité dans Actes chapitre 21, verset 8. Philippe est appelé évangéliste. Ainsi, c'est le seul côté où joint le mot évangéliste dans Actes chapitre 21, verset 8. Après ça, l'apôtre Paul vient recommander à Timothée, chapitre 4, verset 5, pour dire faire l'œuvre d'évangélisation. Ça veut dire nous autres aujourd'hui, Jacques connaît, nous faisons l'œuvre d'évangélisation, mais l'évangélisation. L'évangéliste, c'est celui qui est appelé pour annoncer de bonnes nouvelles. Deuxièmement, pas seulement pour annoncer de bonnes nouvelles, mais il y a trois conditions en tant que diacre, diaconesse, évangéliste. Quatre conditions à remplir. Premièrement, pas quitter mon rélé au évangéliste, pas quitter mon rélé au pasteur, pour mettre orgueil encore, comme si une dadio. Ou vin gagner un phrase stylistique qui dit que vous avez des oreilles à la tête. C'est-à-dire que vous êtes fou parce que vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste. Non. Être pasteur, être évangéliste, c'est celui qui s'humilie sous la puissance de Dieu et puis ensuite pour annoncer de bonnes nouvelles. Et maintenant, pas qui doit en orgueiller. Moi, j'ai quelques années de ça, moi, j'ai mon pasteur dans le district, non? Et puis, quand rencontré dans un programme qui était gagné, elle paraît et mon nom, et on m'a dit pasteur, on peut pas identifier, on va déclarer, ou pas qu'on aime ces pasteurs, et tel, comment on fait pas qu'on aime. Amen. Non. La parole de Dieu, Jésus qui dit, attention, l'orgue titre ça, y'a pas couru, vite monter sous chair. Chita en bas. Pour être capable de faire appel à vous-même. Et si vous courez, vite monter sous chair, c'est pas de place pour descendre. Alors, évangéliste là, diacre là, diaconesse là, vous avez quatre conditions à remplir. Première condition, avant de quitter le diaconesse, diacre, pasteur, vous avez une préparation académique pour faire. Faut préparer académiquement. Faut lire. Faut faire lecture. Faut présenter avec une thèse, une synthèse, une thèse, amen, une théologique, une thèse de base, pour quelque soit côté passé, comme si m'a dit, ou changer dans le passé, y'a des qu'on a interprété message pour moun, ainsi interprété livre à ça et là, et puis moun interprété, et puis on l'est pendant la prêche au message, et puis, dans la phrase là dit, dans la Bible là, depuis les temps anciens, tu fis rebelle. Depuis notre temps longtemps, tu fis rebelle. Et puis, prédicateur qui a prêté pour aller dire, bien aimé, nous tendez, depuis notre temps ancien, temps longtemps, tu fais toujours rebelle. Faut une préparation académique. Les gens qui sont dans la salle comprennent ça, il faut une préparation académique. Deuxièmement, faut une préparation sociale. Ou pas qu'il y ait un prédicateur, ou pas qu'il y ait un pasteur, ou pas qu'il y ait un évangéliste, ou pas qu'il y ait un diacre, un diaconesse, et pour apparaître dans un programme spécial, programme social, et puis pour pas comporter socialement. Faut qu'on comporte ma social. Est-ce que je parle avec monde qui comprend ça, je dis là? Troisièmement, il dit dans la Bible là, faut veiller pour capable marier, amen, d'une seule femme. Faut en mesure pour gérer famille. Your family first. I said your family first. Sometimes nous capable bien négliger ça, nous capable bon côté comme plusieurs monde. Nous bail plus importance à l'église que famille nous. Monde qui est titio. Pasteur. Diaconesse, diacre, femme ou fesse, je ne sais pas si je suis amen là. Femme ou fesse, après ça, l'église là. Et si l'on mette femme ou avant, l'église là avant, ou doit remettre même l'église, doit remettre, mais toujours songer qu'on a une famille. Parce que la parole de Dieu recommande, monde qui ne prend pas son famille, il est pire qu'un infidèle. Premièrement,
ou doit gain responsabilité académique, deuxièmement responsabilité sociale, troisièmement responsabilité familiale et en dernier lieu, qui que vous soyez, ou doit gain comportement de bon témoignage. Bon témoignage. Et maintenant, ces sept hommes, l'évangéliste, commençant avec Philippe, leur proposition pour être capable de continuer la parole à cause de leur comportement, à cause de leur enthousiasme. Et maintenant, c'est pour la première fois à Antioche qu'on les appelle des chrétiens. Moun kap su Jésus. Ça fait honte, je dis à pourtant, moun kap su Jésus. Non, ça est tombé. Non, critique qu'il a fait. Non, bagarre qu'il a patogé. Ça fait honte. Moi, dis ça fait honte. Quand les femmes entendent quelques paroles, il y a dit quelques frères, quelques pasteurs, etc., etc. Et puis les mounio, ils ont découvert que mounsa son frère, son pasteur quelconque. Et puis qu'on y a, et puis ils mettent les bosses sur nous-mêmes. Ils disent toutes ces mêmes. Non, font différentes, nous toutes pas quand même. Amen. Nous toutes pas quand même. Alors on prend position comme diac pour faire une distinction. Prend position comme diaconesse pour faire une distinction. Prend position comme évangéliste pour faire une distinction. Prends position comme chrétien pour reconnaître que la puissance du Saint-Esprit qui est sur eux-mêmes, à cause de la puissance de Dieu qui découvre eux, à cause de la puissance de Dieu et la façon d'agir, ainsi, ils te relaient aux chrétiens. Et pas seulement ils aux chrétiens, mais après ça, la parole de Dieu nous dit, l'évangile répand dans tout le territoire d'Asie. L'évangile répand, amen, avec 12 hommes, 300, 3000, 3000, 4000. L'église commence à multiplier. Amen. Le pasteur lui m'a dit, c'est pas seulement pour Norwood, ou capable des évangélistes, ou capable des dames, ou capable des frères, ou capable des diaconesses, ou capable des diaconesses, et c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Vous n'avez pas d'autres responsabilités, vous n'avez pas d'autres mandats de gagner les âmes, mandats de choisir les âmes, mandats de faire reconnaître l'évangile, mandats de reconnaître si je dis. Et tiens, Philippe te rend témoignage comme évangéliste. Amen. Et puis, Paul te rend témoignage un peu partout de l'Asie mineure. Ainsi, vous arrivez dans un moment qu'on y a ou même comme chrétien pour déclarer. C'est pas seulement pour présenter l'évangile, mais c'est pour reconnaître avec la condition, les conditions académiques, les conditions sociales, les conditions familiales et les conditions qu'on doit remplir comme chrétien. Alors, Matthieu te prend position pour les juifs. Marc te prend position pour les romains. Luc te prend position pour les grecs. Et Jean te prend position pour tout le monde. Et s'il déclarait pour le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit dans le périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le but des diacres, le but des diaconesses, le but des évangélistes, c'est de communiquer la bonne nouvelle. Et en communiquant la bonne nouvelle, on va permettre que des âmes passent des merveilleuses lumières. En communiquant la bonne nouvelle, on va devenir des disciples choisis pour le service. En communiquant la bonne nouvelle, on va aimer les enfants. En communiquant la bonne nouvelle, on va entretenir toujours avec des paroles spirituelles, entretenir par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques. Amen. Lorsqu'on devenir des hommes spirituels, on va avoir des enseignements à observer. Lorsqu'on devenir des hommes spirituels, on va aimer la parole. Lorsqu'on devenir des hommes, des diacres, des diaconesses, des évangélistes, on va aimer l'expérience qu'on fait avec bon Dieu. Et l'air où aimer bon Dieu, ou obéissant, ou la gonne bon Dieu, la crainte à bon pari. Avec des apôtres 2, nous concluons. Pour dire, tout le monde qui était ensemble, ils étaient mangés ensemble, ils étaient communiés ensemble, et ils étaient vivés ensemble. Et d'ailleurs, vivre en communauté, la parole de Dieu nous dit, la crainte confortée de nos jours, c'est parce que pas une crainte pour mon Dieu. Pas une crainte pour mon Dieu. Nous songez, c'est depuis en Haïti, de consacrer comme pasteur. Et d'un consacré comme pasteur, t'es une crainte. D'ailleurs, dis-moi, mon c'est un serviteur de Dieu, une crainte pour ça. Mon ne pas jouer devant pasteur comme ça, fait n'importe quoi. Comme ça. Nous sommes, j'ai servi près de 5 ans à Saint-Michel de l'Atalaï. Et puis, un jour, je suis à Saint-Michel pour moi aller à Gonaïve. Dans la zone, pas de camionnette, c'est camion boîte qui gagne. On monte en haut de camion, et puis, mon monsieur crée les cigarettes, patch.
et puis pour le fumer dans la figure. Et puis, il y a l'autre qui dit, ou pas, son pasteur qui est là, et une cigarette là. Pas de bagaille comme ça encore. Nous ne pouvons pas dire amen, mais. Pas de bagaille comme ça encore. Mon dans l'église, il dit, il diaconesse, il fachat pasteur, il dit 3-0. Et puis, il fait complot. Nous pas qu'à faire ça. A dit avec moi, nous pas qu'à faire ça. Amen. Ou aimez mon Dieu, ou aimez pasteur, ou aimez l'église, ou aimez d'ici où le pasteur annoncé des retraites, des réveils, c'est pour moi en tête liste là. Parce que me connaissons. Je viens pour ça même pour me connaissons. Amen. Ainsi, soyez des diacres conséquents. Soyez des diaconesses conséquents. Soyez des hommes, des évangélistes conséquents. Soyez des membres de l'église conséquents. Parce que vous avez été choisis par Dieu. Et vous êtes libre vous-même. Les bons dieux choisissent. Vous mettez onction sous. Après-midi, nous mettez onction sous. C'est moi-même comme pasteur d'Israël qui mettez l'huile sous fond. C'est bon bagage, je vais être lié. C'est un bagage si honnête. L'imposition des mains. L'imposition des mains pas faite comme ça, comme ça, comme ça. L'imposition des mains était faite. C'était pour la première fois. Dans Actes chapitre 6, l'imposition des mains a été faite. Et après ça, dans Timothée, amen, chapitre 1er, a continué l'apôtre Paul le commander. 7 fois, l'imposition des mains faite. Et tout est fait avec recommandation d'onction. Ce qui veut dire, pas venir prendre onction, bon Dieu, pour comme ici, pour faire des ordres. Nous c'est diacre, c'est diaconesse, nous fait ça m'vle. Parce qu'il m'a présenté ça très bien. Ou passez pour une classe leadership, ou passez pour une classe de discipleship, ainsi, ou venez devenir des diacres et des diaconesses. Pour, attendez bien, tout, parmi tout ça m'dit, vous oubliez, vous n'avez pas oublié ça. Ou consacrer comme diacre et diaconesse, nous connaissons pas bien nous amène là. Ou consacrer comme diacre et diaconesse pour des besoins domestiques de cette église. Ou consacrer comme évangéliste, amen, pour gagner des âmes, pour amener des âmes au sein de cette église, pour l'église à grandir numériquement. Ou consacrer comme diacre et diaconesse, comme évangéliste, pour connaître la parole, pour faire une préparation académique. Il n'y a pas jamais trop tard pour faire une préparation académique. Dans le cas contre, on sent que vous avez un gêné, dit. Amen. Pas prétendre qu'au docteur et puis vous pouvez même faire juridique. C'est comme ça, par exemple. Là. Il dit, grand frère, bon Dieu bénil. Et puis il déclare, il dit, monsieur docteur, monsieur docteur, monsieur docteur. Bonjour docteur. Et finalement, il dit, bon Dieu, tellement béni, moi docteur, écoutez, je vais préparer pour me faire juridique. Il faut qu'il y ait une préparation académique. Vous devez passer du ténèbre à la même vision, accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Vous devez connaître votre Bible à fond. Et aussi, vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit avec l'onction du Saint-Esprit de la même façon pour les diacres. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint et des hommes consacrés avec l'onction du Saint-Esprit. Et ensuite, pour faire briller l'évangile de la zone que Dieu vous a choisie. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. À savoir, vous allez vous préparer pour les bénédictions spirituelles. Que Dieu vous bénisse.